j'étais tranquillement en train de commencer à faire mon montage que je me suis rendu compte qu'en fait la prise de son était dégueulasse. Regardez, je vais vous montrer, c'est affreux. Ça c'est le vlog d'hier. En gros, c'est comme ça. C'est comme ça sur quasi toute ma journée. Après, j'ai filmé avec deux caméras, donc la grosse caméra que j'utilise là. Il y a quand même une bonne prise de son, sauf que j'ai fait très peu de prises avec. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte, hier vous avez dû voir, en fait, j'ai scotché toute ma caméra pour pouvoir l'utiliser. Et en fait, j'ai scotché la partie avec du son. Donc là, je viens de trouver la partie avec du son, en fait, qui est localisée au-dessus. Donc si vous avez un G7X Mark II et que vous cherchez d'où vient le son vient du haut. J'ai fait des tests pour essayer de trouver partout. Donc je vais re-scotcher ma caméra et en évitant de scotcher le son. Et hier, j'ai fait un tournage pour un gars qui doit passer son diplôme. Je n'ai plus aucun rush. Les rushs sont inexploitables parce qu'on l'entend pas parler. Je suis un peu dans la merde. Mais en même temps, c'est aussi des aléas qui peuvent arriver quand tu fais du montage et tout. Et surtout le fait d'avoir une caméra cassée, ça aide pas non plus. Et du coup, je n'ai pas de vlog à sortir aujourd'hui puisqu'on est dimanche. Ça m'embête un peu, j'aimerais bien sortir un vlog. Je vais voir comment je vais faire, qu'est-ce que je vais sortir aujourd'hui, si je sors quelque chose ou pas. Ah, ça m'embête parce qu'on a bientôt fini le mois d'octobre et j'avais envie de faire tout ça tout propre. Autre truc aussi, je sais pas si c'est mon chargeur ou si c'est l'ordinateur. Mais je suis sur mon ordi depuis qu'il est au moins 10h et il est 12h30. La batterie n'a toujours pas bougé d'un poil, elle est toujours à 41%. Quand je branche, ça reste sur 41%. Par contre, quand je le débranche, bah, il se décharge normal. Mais je sais pas s'il peut monter plus ou pas. J'ai l'impression qu'en ce moment, cette semaine, c'est la semaine des merdes. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'essaie de faire que des trucs bien pour avoir un bon karma, tu vois. Et là, bah, je ne sais pas. Enfin bref, je vais rescotcher mon appareil photo sans toucher au micro. Et puis, on va commencer cette journée tranquillement. Et on va essayer de la commencer bien. En vrai, ça fait pas si chier que ça. Enfin, genre, c'est pas la fin du monde non plus pour moi. Genre... Je m'attache très peu aux choses, j'en ai un peu rien à foutre de tout. Ça m'embête parce que j'ai pas de vlog à sortir et que je me suis tenue de faire un vlog par jour. Mais je suis pas non plus rentrée dans une crise d'angoisse parce que je vais pas sortir de vidéo aujourd'hui. Faut toujours essayer de trouver des solutions. En attendant, j'ai une caméra pour filmer, j'ai un micro, j'ai mon setup qui fonctionne, mon ordinateur qui fonctionne à peu près sur câble. En fait, quand j'ai fait mon DIY là pour mon miroir, j'ai toujours pas placé d'ailleurs. J'ai pris mon ordinateur et en fait ça s'est débranché et en fait c'est tombé dans la mousse isolante. Ça fonctionne. Mais déjà, le petit voyant, il s'allume plus. Au moins, ça charge. Je vais rester comme ça. On va croiser les doigts jusqu'à ce que ça s'arrête. Je suis chez moi. Est-ce qu'on peut parler du changement d'heure? On vient de changer d'heure là. Et du coup, on a une heure en moins. Et je viens de comprendre pourquoi je me suis réveillée à 3h du matin cette nuit. C'est pas prêt d'être terminé. Hein. Je vais pas m'arrêter de parler de mon sommeil de merde que j'ai en ce moment. Je crois que là, c'est parti pour des réveils à 3h du matin. C'est vraiment très très cool. Finalement, j'ai trouvé une solution pour le vlog que je dois sortir aujourd'hui. Il y a un vlog en début septembre que j'avais pas encore sorti, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai sorti hier. Donc si t'as pas vu ce vlog, va le voir parce qu'il est cool, c'est sur un chouchou. Et je me rends compte, depuis que je me suis lancé le défi de faire une vidéo par jour, depuis début octobre, je me rends compte vraiment l'aisance que j'ai pris quand je suis devant la caméra. Parce que le vlog d'hier, c'est un vlog qui a été fait en septembre, donc c'était pas le même format, c'était pas le même rythme. J'avais pas appris mes décisions sur comment est-ce que je voulais structurer mes vlogs. Maintenant que je sais comment je structure mes vlogs et comment ils fonctionnent, c'est beaucoup plus carré, tout est beaucoup plus propre et je suis beaucoup plus à l'aise. Aujourd'hui, je me rends compte en fait en montant une ancienne vidéo que bah, je suis beaucoup plus à l'aise à parler devant la caméra, je suis beaucoup plus à l'aise à regarder dans l'objectif, je suis beaucoup plus à l'aise à parler dans la rue devant la caméra, ce que j'avais beaucoup de mal avant. Je me sens beaucoup plus à l'aise, etc. Et c'est vrai que quand je monte le vlog, je bafouille sur des mots, je suis pas sûre de ce que je veux dire, les plans sont un peu saccadés, mais bon après ça fait partie du vlog aussi de ne pas avoir forcément que des plans propres, jolis, etc. C'est ce qui fait en fait toute la dynamique du vlog. Voilà, je me rends compte que maintenant c'est beaucoup plus structuré et je suis grave contente d'avoir pris cette initiative d'avoir fait un vlog par jour parce que bah du coup je m'améliore tous les jours et là je le vois et ça me donne envie de faire encore plus. Donc je suis vraiment trop trop contente et en plus j'ai trouvé une alternative pour pouvoir quand même sortir une vidéo aujourd'hui. Je viens de remettre mon ordi à charger parce qu'il n'y avait plus de batterie et là il est encore bloqué à 14% depuis le début du chargement. On adore vraiment. On est sur le retour pour aller à l'atelier et je me rends compte qu'il est que 18h30 et il fait déjà noir. Et du coup le changement d'heure c'est vraiment un truc de ouf. Bah du coup il fait noir hyper. Et attends, il va faire noir jusqu'à 8h et le soir il va faire noir à 18h quoi. La période sombre commence.
Il y a quand même un petit trou là. On mettra les mêmes en bas et puis les autres. Mais les palaves. On les mettra que après le plafond. Bah ça dépend quand on va faire rendez-vous. Bonsoir. Comment allez-vous aujourd'hui? J'ai un milliard de trucs sur la table qu'il faut que je range. Entre une caméra par-ci, du thon, du maïs, des pâtes. J'ai des fringues, des serviettes. J'ai ramené grave des trucs là-dedans. Aujourd'hui, je voulais changer la disposition de l'atelier. Parce que là, actuellement, la disposition dans laquelle je suis en plein milieu de la pièce. Là, il y a l'entrée. Là, il y a la suite. Les étagères sont là. Là, il y a un mur. Et là aussi. Et en fait, j'ai vraiment mis la table au milieu. Ce qui fait que ça prend un peu de place. Et surtout, ce que j'avais besoin, c'était d'avoir de la place derrière pour pouvoir, du coup, mettre ma caméra et les lights. Et du coup, j'aimerais bien changer la disposition et mettre du côté de l'entrée. Sauf que je ne sais pas si avec le setup plus les lights plus la caméra, ça va passer. Est-ce qu'il y a une différence quand je filme le jour ou le soir? Parce que là, c'est le soir. Mais clairement, quand je suis comme ça, je pense que... Je ne sais pas si vraiment il y a une différence entre le jour et la nuit. Mais vu que j'aime bien filmer la nuit aussi, ça dépend. Voilà, mes vlogs, c'est un peu du tout. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ça. Ok, je commence à être fatiguée. On va faire notre petit... déménagement. C'est mon nouveau setup. Je laisse énormément d'espace. C'est mieux quand même d'avoir plus d'espace. Je suis sur mon téléphone et ça c'est une pub de Dyson et c'est un aspirateur balai. En ce moment je cherche un aspirateur balai. Et je me suis rendu compte qu'en fait Google, Internet, les téléphones, mon ordinateur écoutaient en fait. Et depuis quelques temps on s'est rendu compte que c'était quand même bien plus présent que ce qu'on ne le croit. Puisque tout d'abord Google nous affirme qu'il n'écoute pas, il ne surveille, il ne regarde pas les mails qu'on échange ou qu'on reçoit. Pourtant, si vous regardez dans vos mails, Google vous suggère à la fin de chaque mail des réponses automatiques à envoyer. C'est bien la preuve qu'il y a un robot ou un algorithme qui lit le mail pour pouvoir te suggérer des réponses à envoyer rapides, ce qui s'appelle des réponses rapides. Un exemple simple qui peut arriver plus souvent. Ma soeur me demandait le magasin dans lequel elle m'a acheté ma plante et mon petit chiffon bleu pour la cuisine. Je lui ai répondu que du coup c'était à Sostrengren. Je lui ai répondu par message. En aucun cas j'ai fait une recherche sur internet ou j'ai fait un vocal ou quoi que ce soit, donc j'ai juste écrit. Le lendemain, j'ai quoi? J'ai une pub de Sostrengren sur Instagram. Ça veut bien dire qu'on est surveillé et dès qu'on envoie quelque chose, ou dès que tu recherches, j'en sais rien, une tondeuse, hein, le lendemain ou dans les heures qui suivent, tu vas recevoir soit des pop-up, soit des emails, soit tu vas avoir des petites publications sur, tu sais, sur YouTube, sur les côtés, ou sur Instagram, sur Facebook, partout, et je trouve ça genre hyper flippant de savoir que t'es surveillé et le moindre mot que tu dis, en fait, il est égoutté. Un autre exemple encore plus what the fuck, parce que là, je l'ai écrit nulle part et j'ai fait aucune recherche sur mon téléphone. Comment mon téléphone a pu savoir que j'ai parlé de ça à un moment donné dans la journée? J'étais avec Kate et on parlait de sa caméra qui est une Osmo de DJI, pardon. On parlait de sa caméra parce qu'il y avait possibilité que je la prenne du tournage de samedi. Disons que j'ai jamais eu l'occasion de l'écrire sur le téléphone puisqu'on était tout en face à face et qu'on en parlait oralement. Le lendemain, je reçois une pub de ce modèle-là, cette caméra, alors que je l'ai jamais écrit sur mon téléphone. Et en fait, on se rend compte qu'on est de plus en plus écouté, de plus en plus surveillé et je trouve ça dingue qu'en fait, au final, il n'y ait pas de privacy dans tes conversations, dans tes messages que t'envoies. Sur Facebook, il y a eu plein de problématiques parce que Facebook dit que les conversations restent privées et ne sortent jamais. Au monde, il y a eu un crash. Et plein de conversations de personnes sont retrouvées sur leur mur et donc publiques à tout le monde. Et ça a fait des petits problèmes dans certains couples, disons. C'est-à-dire que le moindre truc là que je vais dire, mon téléphone va l'entendre et il va retenir et il va me faire des... Il va me proposer des offres et il va me dire « Tiens, il y a ça à vendre, il y a ci. » C'est pareil, c'est comme ce qui est Google Home, ce qui est Alexa. T'es chez toi, tu demandes d'allumer les lumières, tu demandes de mettre de la musique, tu demandes de faire lire telle ou telle chose, tu demandes de l'actualité, quelle météo il va faire. Ça, ce sont des dispositifs qui, en fait,
écoute à longueur de journée ce que tu dis chez toi. Donc si par exemple tu fais partie d'une grosse boîte et que tu as des réunions en call ou que tu es en visioconférence et que tu parles de sujets qui sont soit hyper top secret ou de projets qui sont hyper délicats, ta Google Home, en fait elle va enregistrer tout ce que tu entends. Donc à moins de débrancher complètement ta Google Home. Je pense que c'est surtout le fait de se dire qu'en fait tu peux plus faire aucune recherche, tu peux plus chercher quoi que ce soit sans que tout de suite tu aies des pubs, des emails qui sont fake, des promotions partout. Bref, en fait, je me rends compte qu'on nous surveille de plus en plus et que c'est vraiment, vraiment du n'importe quoi. Ou même qu'on n'a juste simplement pas envie d'être écouté parce que, on n'a pas envie d'être écouté tout simplement. En fait, la meilleure solution, c'est de mettre son téléphone sur un mode avion trois quarts de la journée et c'est complètement. Enfin, je trouve ça ahurissant de devoir mettre son téléphone en mode avion. Tu vas recevoir de la pub, enfin ça veut bien dire que l'information est bien arrivée quelque part sur ton téléphone, donc que ça soit oralement ou que tu l'aies recherché dans la barre d'infos ou que tu as envoyé un message. Je trouve ça dingue qu'on doit arriver là pour pouvoir garder la tranquillité et ta privacy, genre juste en fait ta vie privée, mais privée et qu'elle ne soit pas donnée à Google par exemple. Sachez Google que je ne suis absolument pas d'accord avec vos méthodes d'écoute parce que vous n'avez pas le droit d'écouter la vie des gens en fait. Google qui dit on vous surveille pas, on vous surveille pas. Facebook qui dit on vous surveille pas, on vous surveille pas. Vous êtes un petit peu des mythos, hein. Donc la prochaine fois, vous dites rien au lieu de nous dire que vous nous surveillez.